Salut tout le monde, c'est Destro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe consacrée au démolisseur de pierre, Atlas. Vous avez déjà fait une vidéo sur Atlas précédemment, il m'avait été suggéré des choses en commentaire, chose que j'ai pris en compte, j'ai fait des tests, et il s'avère que ce build est juste incroyable. Donc on quitte la méta Gloom pendant une vidéo pour revenir sur un des sets que je préfère sur Warframe, un set surcharge de failles avec, vous l'aurez compris, Atlas surcharge de failles. Vous le saviez. Avant de commencer, de vous présenter de quoi il retourne, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Discord, tout est dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitch pour ne rien rater de mes lives sur Warframe, également sur Skyrim et sur d'autres jeux. Et vous pouvez évidemment soutenir la chaîne sur Patreon pour bénéficier de tous les petits avantages qui vont bien. Atlas sur charge de faille. Revenons à nos moutons. Depuis la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur Atlas, je vous avais dit que j'étais pas fan de la mécanique d'Atlas de spammer son 1. Je l'ai rejoué et il s'avère que c'est plutôt jouissif de mettre des coups de poing à 1 million de dégâts. J'avoue. Je me confesse, de vous à moi, c'est très agréable. Surtout qu'il n'y a rien à faire en fait, concrètement, une fois que le build est fait, que vous êtes lancé, vous avez juste à veiller un petit peu votre énergie, et vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la mire pour ce build. Alors, chacun son build de la mire. J'en ai discuté avec pas mal de monde sur le Discord qui ont chacun leur version. Certains jouent une mire plutôt orientée feu, d'autres jouent une mire plutôt orientée corrosif, d'autres jouent une mire un petit peu orientée plein de choses. Chacun a son propre build. Grosso modo, il n'y a pas de mauvais build pour la mire pour Atlas. Juste des dégâts bruts élevés, pas mal de critiques, des chances et des dégâts. Et grosso modo, après, vous jouez un petit peu l'élément que vous voulez. Je sais que j'ai un build perfo tranchant, c'est pas le build de l'année, mais j'ai vu que ça donnait des trucs rigolos. En tout cas, c'est pas celui-ci que je joue aujourd'hui. Et en parlant de build et de ce que je joue, je vous propose directement de passer au build d'Atlas. Regardez-moi comment il est pas mignon tout plein. On va commencer par les pouvoirs d'Atlas. Éboulement, qui va être votre main source de dégâts, va mettre des gros coups de poing, des patates de forain, comme on dit, à 633 de dégâts. Mais éboulement possède des dégâts basés sur votre arme principale de mêlée, la mire dans le cas présent, et c'est pour ça que l'on la joue, parce que c'est elle qui offre un des meilleurs dégâts bruts du jeu, les dégâts instantanés, ce qui est extrêmement puissant avec Atlas. Pétrification, qui va être une source de armure. Ça va être une source d'armure, les ennemis pétrifiés vont laisser tomber des gravats qui vont vous soigner et qui vont, en plus d'empêcher les ennemis de bouger, vous offrir de l'armure. En plus, nous jouons un sort extrêmement sympathique, un mode d'augmentation qui fait que lorsque la pétrification dépasse un certain nombre d'armures, vous avez un certain nombre d'armures grâce au gravat en fait, hein, que ce soit pétrification ou golem ou ce que vous voulez, tant que vous avez un certain nombre de gravats en vous, un certain nombre de points d'armure, 1400 si je ne m'abuse, hein, on peut vérifier, vous voyez, tas de gravats, 1400, et bien vous pouvez lancer votre 1 gratuitement. Et il fait plus de dégâts. C'est un des meilleurs modes d'augmentation qui existent dans le jeu. Ça permet de spammer le 1 d'Atlas, de faire des dégâts colossaux, sans dépenser la moindre énergie. Attention de ne relancer de temps en temps, pétrification malgré tout. Le golem ne va pas forcément vous servir, mais ça peut faire des gravats, ça fait des dégâts d'explosion. Ça pétrifie et tout et tout. Ça reste cool, mais on a ailleurs à mettre notre énergie. Vous allez voir que l'énergie descend assez vite parce qu'on n'a pas un sort, mais deux à spammer ici, contrairement au précédent build de l'Atlas. Donc des fois, l'énergie fait un peu défaut. La capacité Helmint obtenue en sacrifiant Wisp au système Helmint, c'est surcharge de faille qui va faire un multiplicateur de dégâts de 3,62. Ça envoie des projectiles, hein, dont les dégâts sont proportionnels aux dégâts que les ennemis principaux encaissent. Et en plus, ça peut faire des dégâts avec un taux fort de statut. Un fort taux de statut. Putain, le français est compliqué ce matin. Vous avez un multiplicateur de dégâts qui est gros.
et vous allez transférer une partie des dégâts infligés avec vos coups de poing dans vos projectiles. Ce qui fait que certains projectiles vont partir et faire des millions de dégâts eux aussi. Et donc one shot des ennemis, ça nous aide bien de les toucher. C'est très pratique, ça évite d'avoir ces passifs entre guillemets. Tandis qu'avec le précédent build que je vous ai présenté, où on utilisait le sort de Korra, vous aviez besoin de lancer le sort, de pétrifier, et ensuite vous pouviez frapper, c'était un petit peu pénible. Ici, vous lancez le sort, ça les touche, vous avez le temps de refaire votre mêlée, vous pétrifiez, vous mettez le coup, ou vous pétrifiez pas et vous mettez le coup, les projectiles vont partir, et les ennemis un peu lointains, qui n'avaient pas envie forcément de vous déplacer pour aller taper, eh bien, vont prendre les dégâts du projectile, et mourir sans que vous ayez besoin de ne rien faire. Voilà pour les pouvoirs. Pour le build, on joue évidemment charge d'acier. On joue un build full mêlée, et cette fois c'est pas moi qui le veux, c'est la façon dont Atlas fonctionne. Pour jouer des coups de poing, c'est des dégâts en mêlée. Donc on joue fibreux d'acier. Art de la puissance, parce qu'on cherche la puissance avant tout. Ici, plus la puissance est élevée, plus les dégâts sont élevés. Donc c'est simple que ça. Donc plus de puissance et chance de rester à renversement, ça n'a pas de sens puisque Atlas ne peut pas être renversé tant qu'il touche le sol grâce à son passif. En termes de puissance, il y a moyen de monter largement plus haut. Comme vous le savez, Vitalité Umbra, Intensité Umbra et Fibre d'Umbra ne sont pas maxés chez moi. En les maxant, vous atteignez le palier supérieur, vous atteignez les 200%, vous les dépassez de puissance 250 presque je crois. Je m'en fais le calcul, ça devient énorme, les dégâts sont ridicules, vous atteignez les 3 millions de dégâts, c'est n'importe quoi. Faudra que je les max. Donc évidemment, si vous les avez maxés, utilisez-les. Vous polarisez soit en Umbra un des trois, soit vous polarisez Tas de Gravats et Secret de l'Augure pour pouvoir placer les autres pour que ça tienne. C'est juste insane. Hein. Y a pas d'autres termes. C'est insane. Voilà, les dégâts sont incroyables. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ? Je ne pense pas, je vais le faire quand même. Fibre d'Umbra, vous avez une armure de 1140. Dégâts à la santé réduit de 80% quasiment. Avec votre sort qui vous fait monter jusqu'à 1500 d'armure supplémentaire. C'est énorme. Ça vous fait que vous êtes prenez presque aucun dégât sur la santé. Alors que vous vous régénérez quand vous absorbez des gravats. Une tankiness ultime. Atlas est l'une des Warframes les plus tanky du jeu, c'est incroyable. Intensité pour la puissance, vitalité parce que votre santé va prendre cher, malgré tout. Atlas a d'ailleurs une bonne santé par défaut, hein, 525, ça reste vraiment bon. Donc c'est une bonne santé par défaut. Vous allez en avoir besoin puisque c'est votre main source d'énergie, car oui, évidemment, on joue Adrénaline du chasseur. Afin de bénéficier d'Adrénaline du chasseur qui convertit 45% de dégâts sur la santé en énergie, on joue une clé de dragon. La clé de dragon, celle-ci, la pourrissant, qui va réduire vos boucliers énormément de 75%. Donc vous avez fait des boucliers ridicules, donc ça tape constamment votre santé et vous permet de bénéficier au maximum d'adrénaline du chasseur. Plus vous allez monter en niveau, plus les ennemis vont faire mal, plus vous allez avoir d'énergie et plus vous ferez de dégâts. C'est ça la magie de ce build, c'est que les ennemis vous aident en vous frappant. Et ça, c'est trop bien. On termine avec allonge, simplement pour de la portée sur surcharge de faille et de la portée sur pétrification. Un minimum quand même. Secret de l'augure pour toujours plus de puissance. Si jamais le cas échéant, ça vous intéresse d'avoir plus de portée pour surcharge de faille et pour le truc, évidemment, jouer des modes de portée. Notamment influence de l'augure. Voilà. Basiquement, vous pouvez très facilement les jouer. On ne joue pas colère aveugle parce que ce serait vraiment, vraiment extrêmement énergivore. Mais vous pouvez, si vous faites vraiment du niveau 500 et tout, vous pouvez, vous allez du coup vous régénérer rapidement. Donc vous pouvez, ça ne fera qu'amplifier les dégâts que vous allez infliger grâce à éboulement, à surcharge de faille et les dégâts de vos golems. En termes d'arcane, rien de nouveau sous le soleil, si vous les avez au niveau max bien sûr, hein, n'hésitez pas à les mettre, moi comme d'habitude je vous présente quelque chose qui fonctionne, mais vous n'hésitez pas à utiliser vos objets les plus optimisés. L'arcane Fury qui va vous donner 10% de chance lorsque vous faites un coup critique, d'augmenter vos dégâts en mêlée de 30% au niveau max, c'est
60% pour 180 de dégâts en plus avec Atlas. Autant vous dire que c'est énorme, hein, vous passez de 1 million à 2 millions de dégâts rien qu'avec l'arcane. C'est juste surpuissant. Et l'arcane vengeance va vous aider à atteindre l'objectif de l'arcane fury, puisque au niveau 5, vous avez 21% de chance de gagner 45% de chance de crit supplémentaire lorsque vous encaissez les dégâts, ce que vous faites continuellement. Donc tout combotte parfaitement, tout est parfaitement imbriqué pour offrir à Atlas une puissance maximale. Les acolytes, vous allez les instant. Seulement un ou deux coups suffisent à envoyer les acolytes au tapis sans qu'ils ne puissent rien vous faire. Seul bémol, les acolytes qui annulent vos pouvoirs, évidemment, puisque vous ne pouvez pas frapper. Donc n'hésitez pas à mettre quelques coups avec la mire quand ça vous arrive, afin de ne pas vous retrouver sans compteur de combo. Et là par contre vous faites beaucoup, beaucoup moins de dégâts lorsque vos compteurs de combo ne sont plus à 12. Vous perdez énormément en DPS, et là ça va faire très mal contre vos acolytes parce que vous ne leur ferez plus beaucoup de dégâts. Enfin, vous leur ferez des dégâts, mais moins que si vous étiez à 12. Concrètement. On passe maintenant au build de la mire pour clôturer cette vidéo. Lamir avec Esprit Vengeur, on en a rien à foutre, vous pouvez jouer celui qui vous plaît. Moi j'ai mis Esprit Vengeur parce que c'est le bon bonne polarité, mais on n'utilise pas Lamir donc on s'en fout un petit peu. Pas de surcharge d'état parce qu'on veut des dégâts instantanés. Point de pression accru bien évidemment. Si jamais vous avez acier sacrificiel et pression sacrificielle au max, n'hésitez pas à jouer acier sacrificiel et pression sacrificielle à la place de point de pression accru et acier véritable, hein, vous les remplacez paf paf par les deux qui vont bien ici et ça fonctionnera parfaitement. N'ayez pas de problème de doute de ce côté là. Fragas d'organes pour plus de dégâts critiques, on l'a vu, on fait beaucoup de dégâts critiques, on veut du dégâts vrai, on veut des dégâts instantanés, du dégâts critique, bim, on leur met un grand coup dans les dents et voilà. Coup de sang ici va être utile parce que votre multi-sort de combo est quand même actif, donc vous gagnez des chances de critique qui se superposent avec une puissance de combo. Ça fonctionne. Donc on va jouer coup de sang. Mais vous pouvez le remplacer par d'autres modes de puissance, etc., etc. Vous pouvez le remplacer par un petit peu ce que vous voulez. Mais coup de sang fonctionne. Ce qui vous augmente vos chances de critique et vous permet de faire des crits jaunes, voire orange, constamment. Frappe corrompue. On s'en fiche de la vitesse d'attaque. La mire n'est pas utilisée. Donc plus 100% de dégâts, on va pas se plaindre. Frappe corrompue direct, du dégât instantané. Fléau toxique, parce que 100% de poison, c'est plus que le mode traditionnel, mais c'est juste pour la mire, donc ce qui nous amène à des dégâts corrosifs vraiment sympathiques, puisque si je ne dis pas de bêtises, la mire fait des dégâts de poison par défaut. Donc vous allez avoir des bons dégâts, comment dirais-je, instantanés de poison, vous avez les meilleurs dégâts de statut. J'arrive pas à retrouver mon mode électrique. Vous avez les meilleurs dégâts de statut possible parce que vous avez 1800, c'est énorme. Vous avez 190-90, c'est juste énorme en dégâts corrosifs pour supprimer la valeur de l'armure et ainsi enchaîner les coups sur les gros mobs qui ont plein d'armure. Chaque coup fera plus mal que le précédent. Et ça, c'est cool! Voilà, donc je vous avais montré, vous avez déjà présenté, hein, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sur Atlas. Atlas, une Warframe que finalement j'apprécie mieux qu'avant, qui fait d'énormes dégâts. J'espère que la vidéo vous a plu, autant que moi j'ai pris de plaisir à la réaliser. C'était vraiment extrêmement cool, hein, les coups de poing à 1 million, comme je l'ai dit, c'est marrant. Donc n'hésitez pas à le reproduire pour vous amuser vous aussi. Et en attendant de vous retrouver en live ou en vidéo, je vous dis ciao.